les amis de santé et divertissement, Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Recette de tomates pour faire pousser les cheveux en 5 minutes. Recette de tomates pour faire pousser les cheveux, tomates et oignons pour renforcer les mèches, tomates pour restructurer les mèches et réparer les dommages causés par l'eau de mer et le chlore, bananes à conditionner naturellement, sont quelques-unes des astuces de beauté pour récupérer nos cheveux. N'oubliez pas que laisser un masque pour les cheveux abîmés pendant plus d'une heure ou jusqu'à ce qu'une nuit ne soit pas indiquée. La raison ? Comme ils sont fabriqués avec des produits périssables, après 60 minutes d'application, ils commencent à se décomposer, vous pouvez donc être exposé à des bactéries et à d'éventuelles maladies. Saviez-vous que les graisses d'avocat sont les plus proches de celles qui composent notre peau ? Ou que l'acide de citron est une alternative beaucoup plus douce pour vos cheveux ? Essayez certaines de ces recettes que vous pouvez préparer avec des ingrédients de votre propre cuisine. Stimule la croissance. L'une des préoccupations les plus fréquentes des femmes en ce qui concerne leurs cheveux est la chute des mèches et le fait qu'elles mettent beaucoup de temps à se développer. Que devrait-il faire ? Le stimuler. Ingrédients. 2 tomates. Vinaigre. Chéri. Un oignon. Préparation. Répartissez le mélange dans les cheveux, même sur le cuir chevelu, et laissez agir 15 à 20 minutes, puis rincez comme d'habitude. Faites cette routine une fois par semaine et vous remarquerez que les brins sont renforcés grâce à la teneur élevée en phosphore présent dans l'oignon. Remède à la maison 2. Il a été prouvé que cette recette faisait pousser vos cheveux plus rapidement, environ plus d'un centimètre et demi par mois. Mélangez 1/4 oignons, le jus de 2 citrons, un piment vert et 5 cuillères à soupe d'huile d'olive avec un peu d'eau. Le mélange obtenu doit être ajouté à une demi-bouteille de shampoing pour bébé et laissé reposer pendant 5 jours à la température ambiante. Au début, vous remarquerez que l'odeur est forte et désagréable, mais si vous la mettez bien, l'odeur disparaîtra dès que vous essorerez de sécher vos cheveux. Remède à la maison 3. L'ajout d'une pilule contraceptive moulue au shampoing est un excellent remède. Ces pilules contiennent des composés naturels qui stimulent la croissance des cheveux, donc prenez-en une, veillez à ne pas mal aligner le cycle de quiconque, écrasez-le bien et ajoutez-le au shampoing à usage quotidien. Si vous aimez nos contenus et les informations de la perte de poids, des soins de beauté, et de la santé, rejoignez-nous dans le groupe Santé et Divertissement sur Facebook, vous pouvez le rechercher comme ça et rejoindre pour plus de contenu et de dynamique. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour, faites-nous savoir. Prenez soin de vous. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.